aussi des choses que nous pouvons s'en servir pour nous aider à se soigner, nous aider à s'en sortir dans des difficultés au niveau de certaines maladies qui sont bizarres. Nous soignons beaucoup de maladies par le biais des vertus de la plante. Nous travaillons à base de la plante. Les maladies, il y en a. Les maladies naturelles, il y en a aussi les maladies qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire les maladies traditionnelles. Nous soignons toutes ces maladies-là. Si je veux rentrer en détail un peu, je vais vous dire, nous soignons par exemple l'hépatite B. Nous soignons par exemple l'hépatite B, par exemple, qui est le problème de foie, le problème de la constipation. Ça arrive à des fois où, dans le monde de la sorcellerie, les gens peuvent envoyer cette maladie dans le corps de la personne souffrant. Et la personne va aller, si la personne part par exemple à l'hôpital, au niveau du test, c'est l'hépatite qui va se sortir, mais il va se soigner avec les plantes, il ne va pas trouver la guérison totale. Donc il faut qu'on fasse le recours, on regarde le retour maintenant pour voir ce qu'on peut lui faire en côté traditionnel. Nous avons le problème de l'azoospermie par exemple. L'azoospermie qui est le problème des spermatozoïdes au niveau des spermes. Ceux qui ont ce genre de problème ne font pas d'enfants. De la même aussi, on peut constater que le problème d'enfants aussi quitte souvent dans le problème de la sorcellerie familiale. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la maladie naturelle, il y a la maladie traditionnelle. Quand on parle de simple azoospermie, c'est rentrer dans la maladie naturelle. Mais quand on parle de l'azoospermie maintenant, et puis la personne a pris le produit à base des plantes, il n'a pas eu la satisfaction, il faut savoir que c'est rentré dans la maladie traditionnelle causée par la société. Nous soignons aussi les diabètes qui sont le problème des glycémies, trop de sucre dans le sang. Nous soignons aussi les problèmes de la faiblesse, la personne qui n'arrive pas à satisfaire aussi sa femme. Ça, il y en a plusieurs parce que dans la vie maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux avoir le problème de la faiblesse sexuelle et c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça. Juste pour diminuer ta valeur au niveau de ta femme. Et de là, il faut savoir déjà que ton foyer est à vie d'échec. Après tout ça là, nous soignons aussi d'autres maladies. Les maladies occultes par exemple. Tu souffres par exemple de quelque chose, tu n'arrives même pas. À l'hôpital, on ne détecte pas, on n'arrive pas à détecter cette maladie que dont tu souffres. Et à chaque fois, tu as des situations, tu as des problèmes, ça ne va pas au niveau du corps, ça ne va pas. Tu peux te rapprocher de nous. Et à